Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve sur Arc Ma Vie 2 finalement. Aujourd'hui, j'ai réussi à vous tourner ça avec Kuma, notre pingouin assez spécial, hein, comme vous pouvez voir. On va aujourd'hui faire une famille ensemble, mais j'ai deux, trois trucs à vous montrer et j'ai changé le nom du coup du Pelanornis, la Gornis, Mornis. J'ai choisi dans vos noms, donc n'hésitez pas à m'en remettre encore et encore et encore. On est dans la petite maison. Des pingouins, elle est stylée en fait. Parce qu'on a notre gamelle ici. On a sûrement de quoi faire les nids ici. Parce que maintenant je peux trouver un mâle pour m'accoupler. Et le petit oiseau qui est avec moi là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Du coup, il va être renommé Charal. Alors Charal, pourquoi? Parce que déjà c'est une copine. Parce que je trouve que ça lui va bien. Et parce que, en fait, c'est son chéri qui m'a demandé de faire les pingouins, donc, entre autres. Donc voilà, bah, ça sera Charal avec nous. Alors oui, la maison est super stylée, ça vous fait un iceberg que vous pouvez poser où vous voulez, en fait. Et c'est plutôt sympa, quoi. Alors il y a plusieurs entrées, vous pouvez même rentrer par-dessous. Bon là, comme je suis bloquée dans les cailloux, non. J'ai fait exprès de me mettre là pour que ça fasse un peu notre bassin à nous et notre maison ici. Mais vous avez des entrées pour passer sous l'eau et tout. Je pense que vous pouvez faire des structures assez stylées avec plein de maisons les unes avec les autres, quoi. Du coup, on va se chercher un mâle. Vous voyez que maintenant je peux, maintenant que j'ai posé ça. Je sais plus où ils étaient. Alors j'ai chassé pas mal. On a un petit peu monté de level. Bon, moi. Ah, si, quand même. Moi, beaucoup, mais je trouve que Charal s'en est pas mal sorti pour le coup. Je me rappelle plus où je les avais croisés. Faut faire gaffe au Rex aussi, hein. Je crois que c'est par là, attendez, on va aller voir. De toute façon, hop, faut faire gaffe. Alors il y a aussi un requin, il y a le Rex Tech toujours dans le coin. Faudrait pas l'amener sur nos copains, il doit être par là. D'ailleurs, sympa, il avait tué des mammouths et du coup j'en ai récupéré un peu, mais bon, c'était pas ça qui. Je crois que ça m'a pas fait de viande, ça m'a fait plus de la fourrure. Ce qu'on a pu chasser, c'est les saumons, entre autres, il y en a pas mal. Et il y avait des dodos aussi, et une panthère qui était en train de crever, donc je l'ai fini et j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà pour la petite info du jour. Et du coup, on va se trouver un mâle. Alors il nous faudrait un bon level parce que nous on est mauvais level de base. Et ouais, il nous faudrait un mâle assez bon level, on va aller voir. Alors là-bas, je crois que c'est que les femelles. Les mâles sont là-haut, hein. Alors il faudrait que je me mette aussi un peu de vitesse. J'ai mis beaucoup de vie, mais il faudrait que je me mette de la vitesse parce que. C'est pas tout, mais hein, se promener avec elle, c'est quand même quelque chose. Enfin voilà, du coup, je vais vous faire un petit épisode aujourd'hui. Alors, je pense pas qu'on va pouvoir faire toute l'armée ensemble aujourd'hui, j'aurai peut-être pas le temps. Parce que je recorde assez vite pour vous publier la vidéo ce soir. Et oui, parce que j'ai eu un problème internet, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'avais marqué ça sur YouTube ce matin. Et du coup, c'est revenu, donc je peux enregistrer un petit peu. Mais le temps va me manquer. On va monter, ouais. Et du coup, à l'armée, je pense que ce sera la prochaine. Non, on va commencer juste à s'accoupler et tout ça ensemble. Vous voyez, le pingouin est assez lent, donc le temps en plus qu'on fasse tout. Je sais même pas la vitesse des œufs et tout. J'avais quand même pas mal modifié pour le Titanoboa. En espérant que ça ait gardé les réglages. Parce que voilà, quoi. Bon, je vous retrouve là-haut, ils sont là-bas, les copains. Ok. Bon, on n'est pas très très chanceux, les copains. J'ai l'impression qu'ils sont plus là. Il en reste un. On va se contenter. Bon, t'es où, copain? Je me suis fait belle avec mes oreilles de lapin. Ah, c'est dommage. Je sais pas où ils sont, les autres. Et lui, il est où, du coup? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, t'es là. Ok, bon. Alors, t'es quel level, toi? Oh, 50. Oh, ça va. Ça devrait aller, quoi. Viens là! Ah, mais t'es kaki! C'est pas beau, hein? Bon, toi, on va t'appeler Pingouin, par contre, c'est un nom qu'on m'a demandé, donc c'est comme ça. Comme ça sera. Parce que Pingouin, je peux pas trop le donner à quelqu'un d'autre, donc viens là. Hop! Hop! Ok. Pingouin. Je vois rien, excusez-moi, comme d'hab. Pingouin. Voilà. Eh ben, viens! Viens. Tu me suis, hein? Bon, on rentre à la maison. Et donc, normalement, j'ai un œuf. Hein. Ouais, ça marche comme les. Oh, attends, je vais te mettre en Napoléon. Bah, attends, on rentre à la maison et je te mets en Napoléon.
J'ai gagné un chapeau de Napoléon, je sais pas pourquoi. Mais ouais, pourquoi? D'un colosse blanc? Ah bon? Viens, n'hésite pas, hein. Viens. Viens. Et suis-moi de plus près, par contre, comme copine, comme Charal. Allez, viens. Écoute un peu. Ouais. Attends, je vais essayer de te viser. Là, j'arrive pas. Pourquoi ça bouge? Viens, viens. Ah, mais parce qu'elle bouge la tête. Viens. Voilà. Allez. Je sais pas trop quel level on va faire des bébés, mais ça va être galère. Hein. Bon, alors la maison maintenant. C'est assez loin, hein. C'est ça qui est assez. Je lui ai mis de la vitesse hein, là pourtant, mais. C'est ça qui est assez chiant avec les pingouins. C'est. Comment? Bah, c'est la vitesse, quoi. Après, ça va. Dans l'eau, ils sont rapides. Hein. Par contre, dans l'eau, il n'y a rien à dire. Ça a l'air d'être assez rapide entre chaque accouplement aussi. De toute façon, le temps de faire le bébé, quoi. Mais de toute façon, je crois que je pourrais pas faire mieux parce que c'est baissé, donc. Ok, excusez-moi, j'ai eu un bug, j'ai été obligée de me tuer, hein, rip. Et du coup, bah, ça m'a refait à faire un œuf avec lui, normalement. Ah bon, on en a qu'un quand même, on a perdu l'œuf. Il est dans le. Peut-être dans mon corps qui est buggé, donc bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis, j'ai rien perdu, de toute façon. Eh bien. Par contre, faut suivre. Toujours. Et ouais. Alors, des fois, c'est chiant les bugs et je suis obligée de me tuer parce que bah, mon pingouin n'a plus la même couleur. Donc, c'est assez galère. Il n'y a pas moyen de. Ah, ça, je me trompe à chaque fois. Ouais, la maison, de toute façon. Ah, toujours par là-bas, quoi. Allez, viens. Bon, j'espère que qu'on fera des bons levels avec toi, quand même. Quand même, quand même. Mais la manière de marcher des pingouins est quand même excellente. Et puis le mieux, c'est Charal. Hein. Mon Dieu. Mais elle va venir avec nous, de toute façon, quand on va aller se battre dans le prochain épisode, parce qu'elle est costaud. Hein. Elle s'en sort bien. Allez, viens. Non, non, non. La Ziza. La Ziza, ouais. Qui a rien du tout à voir avec Arc, d'ailleurs. Je comprends pas où je suis là. Pourquoi je vois plus les copines? Elles sont mortes. Faire gaffe, il y a des loups aussi sur les banquises des fois. Ouais, va falloir leur mettre de la vitesse, hein, je pense. Hein. Alors ça va être chiant à gérer tout le monde, mais. Ah, il y a de l'eau ici. Bah, le mieux, ça serait de passer par l'eau, mais avec lui, faudrait qu'il reste en neutre. Si je me trompe pas, elle vient. À la limite, ouais. Parce que s'il reste en neutre, ça devrait mieux se passer. Ça n'empêche pas que je sais pas où est ma maison, c'est ça le problème, c'est que je la repère pas, quoi. C'est quoi là-bas? C'est cool aussi qu'il a Redwood en face. Parce que je pense qu'on ira quand même chasser un peu sur Terre avec les pingouins et la Redwood. Il y aurait quand même pas mal de quoi chasser. Ça serait bien qu'un jour on arrive à se venger de l'ours. Hein, qui a tué bah, tous les bébés à. C'était Suna, je crois. Je sais plus le nom. Oui, Suna, je crois. La loutre. On s'était fait massacrer par un ours. Enfin, qui avait tué tout le monde, quoi, au final. Je crois que ça sera mieux dans l'eau, alors viens. Ouais, je pense. Ouais. Allez, viens. Ça devrait aller mieux dans l'eau. Faut pas qu'on se fasse attaquer, c'est tout, mais. Il faut que je retrouve ma maison pour pouvoir poser l'œuf. En attendant, ouais, le temps ça va. Entre les accouplements, ça passe quoi. Il y a mieux, mais il y a pire, je dirais. De toute façon, je vous ferai des ellipses, hein. Entre chaque œuf. Mais là, ouais, ça serait cool qu'on fasse des bébés. Ça serait bien aussi un jour d'en avoir un mutant. J'essaye des fois, mais vu qu'on peut pas se reproduire à quoi que. Il faudrait que je me reproduise avec tout le monde en fait. Sans prendre compte de. Qui est mon bébé, qui est quoi, quoi. Peut-être. Peut-être, hein, puis ça fera des meilleurs levels, des stats et tout, plus élevés, je pense. Je crois que c'est Sky ou là, chez moi. Ah oui, en face des mammouths et tout. Oui, là-bas, il y a un gang de. Je vais vous montrer. Tu suis un copain? Bon, de toute façon, je vérifie pas, mais normalement, oui.
Attends. On va monter là. Hop. C'était une ligne droite. Donc logiquement. Bah, logiquement, j'en ai aucune idée, mais. Ah. Quoi? Eh bah, t'es là. Hein. Allez, viens. Oui, c'est la chaîne. C'est cool parce que voilà, il y a les rochers et tout. Putain, mais. Tu te fais suivre par un piranha? T'es sérieux? Il y a des piranhas ici maintenant. Bravo. Elle est où ma maison? Ah bah là-bas. Là-bas, là-bas. Ouais, là sinon on est plutôt bien, mais c'est vrai qu'autour, ouais, c'est un peu risqué par moment. Ok. Allez, viens. Grimpe. Voilà, n'hésite pas à venir. Là, c'est cool, ça nous fait une petite. Avec une fenêtre, une petite maison. Là, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien. Cette tête. Cette tête avec son truc, elle. Hop, faudrait pas que je me glitch. Ça va, Charal? Alors, non, non, justement. Hop, vous bougez pas. Alors, comment tu marches? Normalement, ça doit, on doit jeter l'œuf un peu. Ça me l'a mis où? C'est toi? Attendez. Où c'est que ça me l'a foutu? Quoi? Ah, je suis un peu perplexe. Il est où mon œuf? Bon, toi là-haut, ouais, d'accord. C'est assez bizarre. Ça me l'a pris, hein. Ça me l'a pris. Toi, tu sers à quoi, là? Ah, rien, t'es juste un décor, quoi. Ok. Bon. Bah, on va se dire que. Ah! Bah voilà, que c'était là. Viens là, bébé. Bébé. Attends. Là, ça va être galère, par contre. Clem, Clem. Hein. Tiens. Et arrête d'avancer. Hop. Alors, t'es quoi? Alors, t'es quoi? Attends. T'es quoi? T'es qui? T'es un mâle niveau 1? Quoi? Et là, quoi? Mais pourquoi? C'est pas normal, hein? Avec le niveau du père, le mien, je veux bien s'il a pris mon niveau. Mais quand même. Oh, niveau 1. J'arrive pas à voir ses stats. Attends. Mais tu es tout pérave. Tu es tout nul, hein? Excuse-moi quand même, mais. Bah mon Dieu. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il y a un bug avec ça? Parce que même dans la nature, il peut plus élevé, quoi. Ah ouais, mais. Ah là, je suis pas fière, hein. Bah non. Bon, tiens, t'as de la bouffe. Mais. Ok. Bon, bah écoutez, hein. On va tenter d'en faire un mieux. Ouais, mais je comprends pas. C'est pas assez marqué nulle part qu'il y a des bugs avec ça. Bon, bah écoutez, il sera niveau 1. Je viens de penser à un truc, faut qu'on mette le chapeau à. Ah bah, des niveaux aussi. Alors, un peu de vitesse et d'attaque. Vitesse, attaque. Il est où ton chapeau? Ah, c'est moi qui. Donc, j'ai celui-là. J'ai le casque de mineur. Des lunettes. Voilà quoi. Bon, bah tiens. Toi, tu vas être Napoléon. Voilà. Normal. C'est le chef ici. Faites voir un peu. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, ils ont l'air fins, nos pingouins, je vous le dis. Ils ont l'air plutôt fins. Bon, bah, je vais attendre de pouvoir faire. Je vais commencer à. Comment? Je vais faire farmer, on va dire, 3-4 œufs. Et je vous reprends quand je les ai, qu'on les jette ensemble. Ok, très bien. Bon, on a 4 œufs. Normalement, ça devrait être pas mal déjà. J'ai gagné quoi de la vie? J'ai gagné de la vie, vitesse, j'ai peut-être pas. De toute façon, ça sert à. Le mal, faut que je lui mette de la vie aussi. Alors attends. Non, toi, je vais te mettre. Toi, tu vas cogner. Toi, tu vas cogner, toi. Et oui, Napoléon. Charal, tu deviens un peu folle derrière. C'est tout, hein. Toi, par contre, je comprends pas pourquoi. Alors lui, je sais pas. Alors je lui mets de la vie parce qu'il en a pas beaucoup. Je sais pas pourquoi il était si bas. J'espère que les autres là qu'on va faire seront mieux. Alors, combien je peux en mettre? C'est ça l'idée.
Ah, quoi? Bah pourquoi? De toute façon, dans... Eh, mais à la limite, s'ils naissent pas dans le nid, c'est pas grave si. Non, c'était bon. Ah, mais c'est bon, en fait, je peux les jeter là. Hein. Il n'y a aucun problème. Ce qu'on va faire. Hein. Hop, hop, hop. Attendez, moi, j'ai un problème de micro. Bonsoir. Voilà. Alors, viens là. T'es quel level? Hop. Pourquoi ils sont niveau 1? C'est normal? Bon, on va les faire pop. XP, pardon. Hop. Ouais, je crois que c'est normal. Hein. Alors, attends. Je leur donne pas de nom, du coup, hein, parce qu'ils sont pas bons level. Oh, lui! Oh, il est peut-être... C'est un peu chiant, par contre. Alors, attends. Vas-y, hop. Prends un peu de bouffe. Et il m'en reste un. Et par contre, suivez-moi, les bébés, hein. Et il me reste toi. Ah, toi. Bah, ils sont tous niveau 1, hein. Je pense que c'est normal. Bon, bah, je m'attendais à mieux. Bon, bah, en fait, le choix du mâle ne sert pas à grand-chose. C'est pas grave. Alors, toi, attendez. Venez tous, là. Tout le monde, venez. Qu'on vous voie. Qu'on vous voie un peu, là. Hop. Voilà. Alors. Bah, toi, ouais. Mais alors, toi, du coup, t'es... C'est lequel qui est couleur bizarre, c'est toi. Fais voir. Ça prend pas les bébés en compte. Les parents. Quoi? Ah, c'est pour ça qu'ils sont niveau 1. Mais pourquoi? Et toi, c'est pareil. Je voulais voir s'il était mutant. Bah, dites-moi si vous avez le même bug, ce qu'on le... Ouais, père, mère, il n'y a personne. Ah, c'est assez étrange en fait. Alors, il vaudrait mieux. Non, mais de toute façon, on va faire notre armée comme ça, c'est pas bien grave. Mais en fait, il vaut mieux si vous jouez vraiment la partie comme ça, il vaut mieux bah, aller vous chercher des amis dans la nature, quoi. Parce que là, il n'y a que moi et Charal et Pingouin qui sommes tanky, quoi. Mais c'est pas grave, les copains. Je pense qu'à plusieurs, ça devrait le faire. Ils vont être très faibles, c'est niveau santé qui m'inquiète, c'est ça qui est chiant, quoi. Parce que santé très basse, de base. Ouais, bah, je continue encore un petit peu, je vais en faire plein. Et ça sera bon pour ce petit épisode reproduction. Le prochain, bah, on ira avec... Bah, je vais en faire beaucoup, beaucoup, les gars, je crois que je vais en faire une cinquantaine. Pas aujourd'hui, mais je vais en faire une cinquantaine de pingouins. Et on se retrouvera en grosse, grosse armée à aller se battre, quoi. On essayera d'en recruter aussi de temps en temps, hein, ceux qu'on croise là-bas les derniers. Et puis, si on en recroise, parce qu'il en restait qu'un, donc... Quoique, ça lui va bien, Napoléon, pingouin, là. Il est un peu en kaki, un peu militaire, quoi. Moi, j'aime bien l'idée, ouais. Ouais, bah, écoutez, je vous reprends. Je continue un petit peu les bébés et je vous reprends. Et donc, ouais, il n'y a pas besoin de nid, on les jette, hein. Alors je vous reprends là les amis, alors je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé qui est plutôt sympa. Donc vous allez dans Échappe et vous allez là dans Play as Dino Sitting. Et vous avez directement ici pour changer bah, vos réglages. Donc là j'ai mis en 8 pour pouvoir s'accoupler plus vite. Après j'ai pas touché, c'est de base, donc voilà. Mais c'est plutôt pas mal en fait qu'on puisse faire ça directement dans le... Bah, dans le jeu quoi. Et donc j'ai pu faire plein d'œufs, on va les faire éclore ensemble. Et je suis en train de monter un peu les levels à tout le monde. Vous voyez son level 12. Je leur mets de la vie, histoire qu'ils tankent un petit peu, les premiers. Bah, parce que, comme vous avez vu, ils sont level 1. Charal, ça va? Charal, elle en prend des levels 1. Eh bien, elle va être costaud. Hein. Elle va nous accompagner en plus. Hein. Hop. Je leur mets de la vie, ouais, parce que j'ai pas envie qu'ils meurent tous directement. Après, bon, je vais pas faire ça à tous non plus, mais on va essayer un maximum de les faire level up. Hop. Et donc, nos œufs. Nos œufs, nos œufs. Après, je vais leur mettre des chapeaux, hein, parce que j'en ai quand même pas mal. D'ailleurs, j'ai encore des lunettes et ça. Et c'est bon. Et bah, c'est parti. Alors, on va. Attendez. Je vais me mettre plutôt là. Plutôt là-dedans, histoire que les bébés soient un peu à l'abri. Hop. Ok. Hop, 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 hop. J'espère que ça n'a pas bugué. Ok. Alors, je sais pas combien il y en a là, mais. Ça devrait éclore assez vite. De toute façon, ils vont tous être level 1. Hein. C'est un peu le principe, j'ai l'impression, du truc.
Ça prend vraiment pas en compte que je l'ai fait en couple, quoi. Allez, allez. Ouais, c'est bien marqué jeté par Kuma et tout, mais ça. Ok, nice. Alors ça va être un peu l'angoisse hein, pour les clems tous, mais c'est marrant. Hop. Tiens-toi. De toute façon, je m'en fiche à la limite. Attendez, hein. Attendez, attendez. Hop. Non, mais ça, je m'en fiche. Clem. Clem. Ok. Qui s'en va là? Vous. Clem. Voilà. Clem. Clem. Ok. Ok. Tous ceux qui sont Clem, vous me suivez. Hein, histoire de dire. Qu'on vous voie un petit peu. Hop. Toi, c'est bon? Vous êtes tous bons là? Ok. Après la bouffe, ils l'ont directement, donc normalement ça devrait aller. Viens là, toi. C'est dommage, on n'en a pas des mutants. Venez là, vous. Parce que là, normalement, c'est des sorties, c'est pour ça qu'ils vont vers les sorties. Il m'en reste toi, par exemple. Attends, attends, toi. Hop. Voilà, mais je pense qu'on a tout le monde, non? On a tout le monde ou pas? Venez tous. Que tout le monde me suive. Allez. Il n'y en a plus des rouges, si, il y en a encore. Hein. Il y en a encore. Je sais pas lesquels, par contre. Ouais. Bah, du coup, je sais pas lesquels. Toi. Toi qui t'en vas, là. Viens. Rejoins-nous. Rejoins-nous, rejoins-nous. Eh, on est quand même pas mal, là, déjà. C'est plutôt pas mal. Oh. Ça va être un peu l'angoisse. Alors, je leur mets pas de vitesse. Je vais vraiment me concentrer sur les points de vie et tout, mais voilà. On commence bien, je vais hors vidéo, je vais en faire d'autres. Histoire de qu'on se reprenne avec une grosse grosse armée. Je les ferai XP un petit peu avant qu'on parte la prochaine fois. Mais voilà les amis. Ça commence bien, on a notre petite maison. Alors eux, ils sont ça. Lui, il est vachement stylé, mais il a rien de. Non. Hein. Bon bah tiens. Du coup, mais ouais. Toi là-bas, tu dois pas être à moi. Je te le dis, sinon tu ne marcherais pas dans tous les sens. Je pense que je t'ai clem. Je pense que je t'ai clem. Ah oui, non, attendez. Avant de se quitter, j'avais dit que je mettais les. Excusez-moi, non, je me trompe. J'avais dit que je mettais les. Je suis en caméra K. Ok. Des lunettes à certains. Alors attendez. Hop. Voilà. Arrêtez de bouger. Eh ben, au grand. Hein. Au grand. Donc toi. Hop. Alors toi, t'auras des lunettes. Est-ce qu'on. Oh, mais quoi? Oh putain! Quoi? Ah bon, on risque pas de te perdre, mon pote, hein. Mais c'est buggé. Bon, on va pas les mettre du coup, mais on va lui laisser à lui, mais bon, pour dire. Voilà, toi. Du coup, toi, je vais te mettre un chapeau. Voilà, un petit casque de mineur, hein, parce que la prochaine fois, c'est la guerre. Je vais vous équiper, les mecs. Et c'est sympa avec le casque, quand même. Je sais pas si dans le noir. Bon, toi, je vais t'enlever. Non, non, je vais t'enlever. Je vais te mettre un casque. On va t'enlever les lunettes, je te mets un casque aussi. On va les équiper, nos pingouins. De toute façon, quitte à être bizarre, autant l'être jusqu'au bout. Hein. Bah là, j'ai rien. Par contre, t'as pris de la vie. Enfin, tu prends des niveaux. J'en ai pas d'autres, des casques et tout, attendez. Mais si, voilà. Casque. Et genre, attendez, si je fais ça. Non, ça marche pas. Dommage. Dommage, dommage. Ouais, bah on a que ça comme casque, donc on va les équiper de casque hein, pour la guerre. Hop. Voilà. Oh, mais toi, t'en as plein des. Ah non, t'en as pas plein, j'ai cru que t'avais plein de levels. Excuse-moi. Ok, bah ça commence à être pas mal. On commence à être pas mal niveau pingouin. Hop. Voilà. Bon, bah voilà. Et c'est pas trop mal. Alors, c'est un peu dommage qu'ils soient level 1 malgré que vous preniez un bon mal, mais j'aime bien, quoi. J'aime bien, j'aime bien. Non, je vais aller me mettre là-bas. Enfin, voilà, les amis. On va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode-là avec Kuma. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Lee et ses pingouins. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!